Comment libérer de l'espace dans votre téléphone? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Oui, c'est possible. Vous pouvez libérer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour avoir beaucoup de stockage. Donc, c'est possible. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater ce genre de tutos. Parce que là, je fais des tutos sur iPhone, sur les batteries iPhone et aussi des tutos sur tous les appareils Android. Donc, si vous kiffez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater ce genre de tutos. Alors, pour libérer de l'espace dans votre téléphone, c'est possible à faire. Donc, vous allez simplement dans Play Store, là, et vous allez télécharger cette application. Donc, c'est cette application-là qu'on a besoin. Je vais vous expliquer un peu. Cette application-là va nous permettre de nettoyer tout notre téléphone, donc tous les fichiers que nous n'utilisons pas, donc tous les fichiers qui rendent plein notre stockage, donc ça va tout nettoyer. Et ce qui me plaît dans cette application, c'est que c'est automatique. Donc après l'avoir installé et faire les réglages, donc vous allez le régler par exemple 72 heures. Chaque 72 heures, ça va nettoyer votre téléphone, donc votre téléphone ne sera jamais plein. Donc, pour le faire, après avoir installé, vous allez ouvrir l'application. Après ça, vous allez cliquer ici en bas, démarrer. Vous allez attendre un peu. Là, on est en train de charger. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est cliquer en bas. Donc, vous cliquez ici, suivant, encore suivant, encore suivant. Et là, vous allez cliquer une dernière fois. Vous attendez un peu, comme vous le voyez, ça charge. Là, vous allez cliquer commencer. Après avoir cliqué commencer, maintenant ici vous allez cliquer accorder nous un accès. Si vous cliquez accorder un accès, comme ça vous cliquez accorder un accès. Encore, vous allez cliquer sur accéder aux paramètres. Cliquez accéder aux paramètres là. Après avoir cliqué accéder aux paramètres, ce que vous allez faire maintenant, c'est rechercher l'application. Après l'avoir tout levé, ici, vous allez cliquer comme ça sur autoriser. Ensuite, vous allez encore autoriser. Vous allez cliquer accéder aux paramètres encore. Ensuite, vous allez cliquer encore sur l'application et vous allez autoriser. Donc, on autorise. Là, c'est les notifications. Si vous voulez recevoir des notifications de l'application en vous disant que le nettoyage est déjà fait, ou bien certaines notifications, vous pouvez aller accorder, ou bien vous pouvez cliquer sur pas maintenant. Donc vous pouvez le faire après. Après avoir accordé les accès, ici vous allez rechercher les fichiers maintenant. Tous les fichiers inutiles qui sont dans votre téléphone seront supprimés. Donc vous allez cliquer et là, ça recharge, vous attendez et ça va tout effacer. Tous les fichiers inutiles. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos données et autres. Simplement les fichiers inutiles. Après ça, comme vous l'avez bien vu, espace libre 33,7 gigas. Donc ici, espace utilisé 51%. Donc là, comme vous l'avez bien vu, tout est OK. Maintenant, vous pouvez cliquer ici pour voir les résultats. Là aussi, on m'a donné quelques chiffres de résultats. Donc, c'est fait. Vous pouvez aussi cliquer sur voir les résultats et ici, vous allez voir tous les fichiers comme ça. Donc, vous pouvez cliquer certains fichiers que vous ne voulez pas, données de navigation et autres, toutes les données que vous ne voulez pas. Et vous allez cliquer ici, terminer le nettoyage. Comme ça, effacer, et comme ça vous avez terminé tout. Donc c'est fait. Maintenant vous avez tout fait, ignoré pour l'instant. Et à chaque fois que vous voulez redémarrer, donc vous voulez le refaire, vous pouvez venir ici et tout nettoyer. Donc moi j'ai 33,7 gigas donc d'espace libre.
Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle tuto.